Malgré le vent, malgré les insectes, malgré tous les bruits ambiants qu'il y avait, on a adoré notre avant-midi à Sainte-Clotilde-Darton à essayer de capter des phénomènes de voix électronique. Le stock est embarqué. On est prêt à partir. Pour une dernière fois, on s'en va à Sainte-Clotilde-Darton. Ça passe gay, il y a des traces de roues, c'est vrai là. Là, ben, il y en a là aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ça passe. Vas-y, là. Qu'on va utiliser, qu'on va essayer au travers de l'union de bébites. Tantôt, puis dans certaines vidéos que j'ai faites, là, l'histoire se passe beaucoup à l'intérieur de la bâtisse. Ah! Mais il y a eu des drames aussi à l'extérieur, puis je pense que le terrain en tant que tel, toute l'énergie du passé se trouve sur place. Donc, s'il y a quelque chose à capter, on va le capter, puis ça, même en plein jour. C'est juste que là, si on écoute, là, on entend des véhicules qui passent au loin, là, mais c'est quand même tranquille, il y a des criquettes.
J'ai mis une série de K2. Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui peut venir de la bâtisse, là? Voir si ça va réagir quand on va faire la séance. Salut, je m'appelle Patrick. C'est Isabelle. La dernière fois qu'on est venu ici, ça fait très longtemps. La dernière fois, c'est en 2017. Vu qu'il n'y a plus personne qui a le droit de rentrer à l'intérieur, je pense que l'énergie, il y a une certaine énergie qui est accumulée dans la place, donc ça va sûrement être plus facile de communiquer avec vous si vous m'entendez. Êtes-vous capable de dire n'importe quoi? On se trouve être à l'extérieur, à l'arrière de la bâtisse. C'est sûr que vous vous rappelez de nous, là. James, est-ce que t'es là? Tu viens de nous, James? Si jamais vous êtes intrigué ou intéressé à ce qu'on fait, si vous approchez de nous, il y a des lumières qui vont s'allumer par terre, ça va nous indiquer votre présence. À n'importe quel moment, vous pouvez répondre. En 1988, il y a eu plusieurs morts aussi dans l'incendie. Est-ce que vous êtes capable de nommer une des personnes qui est décédée? Est-ce que vous trouvez que l'endroit est tranquille depuis un moment? Est-ce que vous trouvez que l'endroit est tranquille depuis un moment? Ça dit oui. Est-ce que vous vous ennuyez des gens? Est-ce que vous vous ennuyez des gens? Nous, on est contents de venir faire un tour. Voir qu'on n'a pas passé au stuff à bébé. C'est fou, là, vous le voyez pas, là, il y a des millions de moustiques, là. On le voit dans la caméra. Pas des arbres qu'on voit, les bébés. Non, on les voit très bien, ils viennent dans l'antique. Si vous m'entendez, approchez-vous des lumières qu'il y a par terre, les petites boîtes noires, là, il y a des petites lumières vertes dessus, là, approchez-vous. À une certaine époque, il y avait une maison qui était ici, qui appartenait à un fermier. J'ai
des photos qu'on voit des enfants sur le terrain. Puis je sais qu'à l'intérieur, avec Isabelle, on avait déjà capté des voix d'enfants. Ça semblait être une petite fille à un moment donné, tu t'en souviens? Est-ce qu'il y a des enfants ici qui m'entendent? Vous vous rappelez de nous, là, c'est sûr. On vous amenait des petits toutous, on amenait des voitures. Est-ce que t'es là? Ou Gaétan? Est-ce que vous vous rappelez la première fois qu'on est venu ici? Est-ce que vous êtes juste coincé à l'intérieur? Donc on a fait une coupure, ça a fait bang à l'intérieur, c'est peut-être juste quelque chose qui est tombé, mais c'est quand même une coïncidence. On vient d'entendre un bruit à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez en faire un autre? Il y a peut-être des animaux en dedans aussi. Oui, c'est cool. Quelle année on est rendu? Ce qui est bon, c'est qu'on voit qu'il n'y a aucune interférence là. Il n'y a aucune onde radio qui rentre. Fait que ce qui sort là, c'est intéressant. Là. Si vous m'entendez, est-ce que vous êtes capable de faire un bruit à l'intérieur, un gros bruit? Faites un gros bruit. Cognez sur quelque chose, sur un morceau de bois. C'est loin ce qu'on entend. Vous êtes capable d'être plus clair que ça, là. Est-ce que c'est vrai qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est noyé dans la piscine? Capable de dire mon nom? Comment elle s'appelle, elle, qui est à côté de moi?
Vous, votre nom, c'est quoi? Une réaction là tantôt là. Quelque chose qui s'intéresse. Est-ce que vous vous intéressez à la petite boîte noire qui est sur la table? Il n'y a aucun cellulaire, il n'y a rien qui est à on, il n'y a pas de batterie là-dedans. Ça, c'est l'arrêté. Êtes-vous capable de faire pareil avec ceux qui sont par terre? N'importe quel, il y en a quatre. Prenez celui que vous voulez. Ça. Oui. C'est à terre. Ok, là, c'est là. Ça arrête. Je descends. Ça va arrêter. Qui était ici en ce moment? Vous voulez refaire avec une des quatre boîtes qu'il y a par terre? Si vous voulez qu'on s'en aille. C'est fou. Comment il s'appelle le propriétaire de la place? Est-ce que vous connaissez son nom? Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de bébites? C'est incroyable. C'est invivable, ça. Est-ce que vous êtes bien ici? C'est quelque chose, mais loin. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez répéter? On est content d'être venu. Ouais, tu es là? C'est quoi votre nom? Tu filmais ça, là. Vous vous rappelez de nous, vu que vous avez dit mon nom. Est-ce que je peux vous aider?
suis là. Allô? Est-ce que vous avez dit de nous aider? Ça bang en dedans. Ouais, c'est de l'eau, je pense. Ouais, la tôle, c'est vraiment fort. Mais la tôle. Si c'est vous qui avez fait un bruit en dedans, est-ce que vous êtes capable de le refaire? Je suis là, je vous écoute. Vous êtes combien en ce moment? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici?